Ainsi, vous êtes de sang royal. Vous ferez l'affaire. Je suis de retour. Ah, c'est terrible de revoir la mort de Togo. Bonjour à tous, c'est Nico le Ch'ti. Avec son guerrier Nico le Ch'ti sur Guild Wars Faction pour cette dernière mission coopérative, le chapitre 13 des appartements impériaux. Et on va voir directement l'empereur qui nous dit: Togo a toujours été un grand altruiste. Shiro a profité de son sens de l'honneur et s'est servi de lui pour achever le rituel. Sa mort est une perte immense pour toute la Thierie, mais nous ne devons pas nous laisser accabler par le chagrin. Si nous échouons maintenant, Kanta sera perdue. Partez et terrassez Shiro une bonne fois pour toutes. Rappelez-moi les méfaits de Shiro. Maître Togo a été assassiné. Le sang qui a versé a permis à Shiro d'achever son rituel. Il est redevenu mortel. Vous m'avez sauvé la vie, mais j'ai perdu mon demi-frère. J'avais raison hein, sur le chapitre précédent, je pensais que c'était son frère ou demi-frère, mais j'étais plus sur le demi-frère. Que se passe-t-il dans les appartements impériaux? Maintenant que Shiro est mortel, vous devez le vaincre avant qu'il ne puisse semer le chaos dans tout Kanta. Kunavan vous offrira son assistance et Meno se joindra à vous pour venger la mort de Maître Togo. Je ne puis rien contre Shiro, alors vous devez combattre sans mon aide. Et je vous laisse lire mettre sur pause. Hop, voilà. Et avant de commencer, donc on va prendre ma petite équipe habituelle avec Den, Soupir, Olias, Norgu, Quen, Raza et Xandra. Et avant de commencer la mission, la dernière, parce que ça va être court, hein, il n'y a que Shiro à taper. Il est dit sur les appartements impériaux. Seul l'empereur, sa famille et ses gardes favoris peuvent accéder aux différentes pièces du palais. Jusqu'à maintenant, personne n'est jamais parvenu à pénétrer dans les appartements, ou du moins, personne n'a vécu assez longtemps pour raconter ce qu'il a vu. Je sais pas ce que ça veut dire si vous rentrez dedans, vous n'avez pas l'autorisation, sachant qu'il est dit « t'auras pas vécu assez longtemps pour tout raconter », je pense que c'est un endroit très secret. Détruire Shiro, voilà, tout simplement. Détruire Shiro. On va parler à Kunavan quand même, qui va nous donner la petite compétence que j'aime bien. Et détruire Shiro, on va y aller. Je vous laisse lire ce qu'il dit Frère Menlo, parce qu'il y a une petite conversation entre les deux penseurs. On va traverser le pont. Donc en gros, il résume à peu près tout. Il résume tout, tout ce qu'on a fait pour le contrecarré et il continue à nous sous-estimer. Cette fois, je suis prêt. Et maintenant, sur la puissance de sa victoire d'Akamori, je n'ai pas la moindre chance. La mort de Togo ne sera pas vaine. Son sang m'a rendu mon enveloppe charnelle. Vas-y, on va l'attaquer. C'est le combat final, c'est l'heure du duel à 8 contre 1. C'est un duel équitable. Il y a une compétence, vous verrez, qui fait vachement mal, c'est des improbabilités improbables. En mode difficile, elle est terrible. Bon, je reste en mode normal, hein, quand même. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On tape. Ça va se foutre sur mon pied, c'est genre. Ah.
assez. Allez, allez, voilà. Victory. Je vous ordonne de me relâcher. Vous n'êtes plus un émissaire. Vous ne pouvez plus rien nous demander. Bien sûr que si. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous faites erreur, Shiro. La dénégation et la désorientation sont fréquentes chez les voleurs. Non! Non! C'est impossible! Vous n'êtes qu'un esprit perdu parmi tant d'autres, entre le royaume des mortels et l'autre monde. Vous êtes sous notre responsabilité, maintenant. Nous vous avons réservé une place très spéciale dans l'autre monde. Un lieu d'où vous ne vous échapperez jamais. Un lieu où vous paierez enfin le prix de tous vos péchés. Vous me le paierez tous un jour. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Vous avez tout à fait raison. Votre fin n'est pas arrivée. Mais vous allez prier pour qu'elle arrive. Nous vous remercions de l'avoir aidé à capturer Shiro. Nous veillerons sur vous en attendant le jour de nos retrouvailles dans l'au-delà. Que votre vie soit longue et prospère. Attendez, qu'allez-vous faire de Shiro ? Ne vous souciez pas de Shiro. Les cinématiques, elles dureraient plus longtemps que la mission en elle-même. Et voilà, c'est la fin de Faction. Une bonne fin, les gentils ont encore gagné. Et là, en fait, on arrive à la route divine qui m'est long à charger parce que j'avais réinstallé le jeu et puis celle-là, je l'ai toujours pas chargé. Et en fait, la route divine, c'est là où on arrivait pour faire son armure exotique. Si on avait fini une première fois, on avait une amulette des brumes pour permettre d'échanger des armes, hein, de la foi, tout ça, tout ça. Alors lui, oui, c'est un honneur de me rencontrer. Il y a Kunavang qui est ici. Salut Kuni. Ok. Et donc là, on va y aller. On a réussi. On voit de nouveau tous les mercenaires qui sont là. Ah, Sin qui est toujours pressé de partir. Signe de son voisin poli. Ouais, c'est vrai que Signe et Menlo sont de mèche. Ouais.
T'as raison, Eve, elle est jalouse. Vous laissez entre vous discuter. Si on allait à... Ah voilà, les armes. Assassin ou ritualiste. Là c'était pour... Voilà, c'est mon armure. Hein. Vous voyez ce qu'il fallait pour faire l'armure. Hein. Il fallait du lingot de... lingot de fer, lingot d'acier et 15 platines, 1500 pièces, 15 000 pièces d'or par pièce. Hein. Voilà, on a réussi. Bon, généralement, il y avait le générique hein, qui est passé ici. Il est passé bon par là. Par là. Ouais, je vous ai tous sauvés, hein, tout le monde est content, on a sauvé tout le monde. Là on a les mercenaires de Kanta. Tout le monde nous fait signe, beau travail. Tout ça, tout ça. On a vaincu Shiro, on visite la route divine. Je vous laisse lire hein, ce qu'ils disent en haut. Ça. On a les Tengu qui nous remercient. Nous salut tout ça, ah, c'est joli. Clac, 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 clac. Et hop, et voilà, tout le monde nous remercie. Ici, on a les Kurzik qui sont ici. Par contre, il y a plein de dialogues qui se mélangent là-haut, hein. c'est pas grave. Là, on a toujours les Kurzik. Et là, on a nos amis les Luxons qui sont là maintenant. Continue. Yay, on a les enfants qui nous courent après. On a des gardes luxons encore. Du luxon. Allez par là. Je crois que c'était la fin. Bon bah on va arrêter là, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui nous remercie. On se retrouve, faction est finie, mais on se retrouve très bientôt et on va commencer le troisième, on va dire, c'est le deuxième standalone de Guild Wars, qu'il s'agit de Nightfall. Sur ce, je vous dis à très bientôt.